got no haters, you ain't poppin'. If you ain't got no haters, you ain't poppin', nigga. If you ain't got no haters, you ain't poppin'. I got Dexter on the chain. They threw it for the fame. All these goofy niggas lame. Got tattoos on my face. People said I'm going insane. Almost going through a scroll, but a nigga overcame. Yeah. He keep calling you, ignoring. No, I love that. Sound like stirring mac and cheese when I hit it from the back. Had to record it one time for the snap. She keep asking me to eat it out, but I'm not into that. What's up YouTube, c'est ton gars Koji. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto où je vais vous montrer la téléportation que vous avez vu dans l'intro. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi tu fais un tuto sur un move, blablabla, le jeu il est mort. Je suis d'accord, le jeu il est mort, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Et puis je trouvais le move quand même assez intéressant, d'accord. Il fait mal si tu sais l'utiliser. Du coup je vous le propose aujourd'hui. Alors, c'est pas moi qui l'a créé ni bien. Je vois déjà les mecs critiquer dans les commentaires. Non. J'ai vu quelqu'un le faire. J'ai demandé à ce quelqu'un comment le faire. Il me l'a dit. Et puis, je vous le présente aujourd'hui, d'accord. Donc, c'est rien de dire, oui, il a copié. Non, j'ai pas copié. Alors, avant toute chose, vérifiez bien. Vous allez dans Tier NBA. Il faut absolument, obligatoirement avoir Elite 2 équipé dans les dribbles plus tir en suspension. Elite 2 obligatoire, le reste on s'en fout. Une fois que vous avez équipé ça, vous êtes bon en fait pour procéder pour la pratique. Donc, tu veux la faire vers la droite. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre ton joystick de gauche vers la droite et tu maintiens carré en même temps. Voilà. Tu veux la faire vers la gauche, tu mets ton joystick de gauche vers la gauche et en même temps tu maintiens carré. Voilà, aussi simple que ça. Franchement, je sais pas si vous avez vu une différence, mais si moi je le fais vers la droite, l'espace que mon joueur va se créer est plus important que si je le fais vers la gauche. Pourquoi? Parce que mon joueur est gaucher, ok. Donc si tu es gaucher, en le faisant vers la droite, tu auras plus d'écart que tu le fais vers la gauche. Et inversement, si tu es droitier, ton joueur se créera plus d'espace si tu le fais vers la gauche que vers la droite. Voilà. Après, ça, c'est juste un petit détail. Voilà. En tout cas, c'est très mortel, d'accord. C'est très mortel. On va dire que si vous le maîtrisez, vous pouvez faire très mal, ok, au parc. Vous pouvez faire très mal, vraiment très mal. La plupart des gens ne s'y attendent pas, d'accord. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'espère vraiment de tout mon cœur. En tout cas, si ça vous aura plu, mettez-moi un like s'il vous plaît, les gars. Mettez-moi un like. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. On va bientôt atteindre les 17 000 abonnés, ce qui me fera très plaisir. Demain, vidéo de prévu, je vais réessayer de partir sur mon rythme de une vidéo par jour. Parfois, j'avoue que ces derniers temps, je restais parfois 3-4 jours sans vidéo. Et je vous avoue que je suis pas bien quand je ne poste pas de vidéo. Je suis pas bien, j'adore poster des vidéos, ok. J'adore vous poster des vidéos. Sauf que parfois, pour certaines raisons que je peux pas parfois évoquer, on peut pas upload, je ne peux pas upload. Donc, voilà, encore une fois, c'était ton gars Koji. Mettez-moi un like, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Peace.